Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, j'ai mis mon micro éloigné, vu que, comme j'ai dit dans la première partie, il est super sensible. Et c'est énervant. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler aujourd'hui. Blablabla. Bref. On dirait une gogone. Bref, voilà. Voilà. Donc, j'ai hâte que le chapitre 5 il sorte, parce que là, c'est le moment le plus. Alors bien sûr, vu que je me suis encore paumée, on va retrouver là où on en était. J'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure. Ça y est, je me rappelle où on était. Perso, moi, la musique est très forte. Je ne sais pas pour vous. Je vais tester vite fait. Voilà, donc, c'est bon, j'ai mis le truc. Alors, Mikazuki, je ne me souviens pas de t'avoir donné mon prénom. Quelqu'un d'autre me l'a donné. Oh. Kazuki, tu pouvais pas venir? J'ai besoin de toi. L'épreuve va arriver dans quelques minutes. Oui, bien sûr. Fukuwa, je te présente. Je m'appelle Fanfiction. C'est pas moi. Ouais, c'est génial. Tu viens maintenant? Ok, le mec trop blasé. Ouais, c'est génial. Allez. Boum! Donc en fait, dans l'histoire, il y a 4 gars. Donc déjà, toi, t'es barré, mon pauvre. T'es pas sociable. T'es pas sociable avec moi. Non. J'aime pas tes yeux. Bref. Ok, d'accord. Il a l'air d'être super, super agréable. Ah ouais, t'as vu. Désolée, je dois y aller, à plus. Pas de soucis. Je décide de m'asseoir à 3 chaises de Minou. C'est ma seule place restante. Je suis à côté de... Oh non. Oh, ma mignonne, t'es là aussi? Si ça, c'est pas le destin. Je te rassure, ce n'est pas le destin. Sois pas si dur avec moi. Le prof arrive, tu ferais mieux de la boucler. On se retrouve plus tard, ma mignonne. J'ai un nom, je m'appelle Perfection, tâche de t'en souvenir. Je ne vous dérange pas. Pardon. Génial, ça commence fort. Le cours commença, et déjà rien que le début me faisait m'endormir. Moi qui étais si impatient de découvrir les cours. Les 2 heures passaient plutôt rapidement, rien d'exceptionnel. La pause, ça nous fera du bien. Ma mignonne, ça te dit qu'on passe du temps ensemble? Absolument pas, j'ai un nom. Donc déjà, le gars, il dit ça, perso, c'est... Mais il va te faire foutre. Donc absolument pas, et j'ai un nom. C'est un très bon choix. Pour atteindre le cœur d'Aido, il n'a pas l'habitude qu'une fille lui tienne tête. J'ai éveillé sa curiosité. Ah bah tiens, justement, c'est le bon choix. Ah, en plus, mais tu vois, elle a fait le même. Sûrement pas. Va chercher une autre fille à embêter. Oh, mais je vois que tu es toujours aussi dur. J'aurais dû m'en douter après ces 2 heures de match. Un vrai caractère de chien galeux. Waouh, ta déduction m'impressionne. Mais c'est qu'on est féroce. Tu vas me mordre si je continue à te parler? Sans doute, oui. Sans doute, oui. Alors, tu ferais mieux de me foutre la paix. C'est bon. Je viendrai t'ennuyer plus tard, ma mignonne. Et ben voilà. La deuxième partie est déjà finie. C'était très court. Voilà, voilà. Donc, on se retrouvera pour la deuxième partie. Voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. On se retrouve tout de suite pour.